Salut! Salut, bienvenue sur les figues de Ravioli et aujourd'hui je suis accompagné par mon fils pour tester un nouveau format. Tu t'appelles comment? Malo. Et t'as quel âge? 4 ans. Et aujourd'hui on va faire quoi ensemble? On va montrer les figurines à tous les gens. D'accord, et ils viennent d'où toutes ces figurines? Ils viennent de la chambre de papa et maman. C'est plein de figurines que je reçois. Aujourd'hui, je vais vous présenter en unboxing des figurines qui m'ont été envoyées par Fenril, des figurines d'Heroic Fantasy. Certaines, je suis obligé de te cacher les yeux parce que tu n'as pas le droit de les regarder, c'est pour les enfants. Des figurines d'un jeu qui s'appelle Blood Bowl. Tu peux revenir avec moi, Malo, si tu veux. Des figurines de femmes de Blood Bowl. T'as vu? Qu'on m'a envoyé d'Espagne. Deux livres. Un premier, une dystopie. Une uchronie plutôt. Et un deuxième, un de mes coups de cœur. Et également des figurines que j'ai peintes. Du jeu Conan. Du jeu Zombieland et également des figurines de la loupe 3D. Voilà, on commence par Fenril, t'as vu, je te fais voir, et après on va faire montrer aux gens. C'est des figurines pour jouer à Donjon Dragon ou des jeux avec des aventuriers, des épées et tout. Oui, Donjon Dragon, c'est des dragons dans des châteaux et on se bat contre des aventuriers. On jouera ensemble. Oui, après. Et aussi des citrouilles que je vais peindre avec toi. Et tu vas dire à quoi ils ressemblent les citrouilles et tu vas donner ton avis sur comment on les peint. D'accord? Il ressemble à les citrouilles qui parlent. Bah c'est ça, on va voir après. Allez, on passe au gros plan et je vais vous voir faire ça. Et on fait voir ça. On commence par les premières figurines, les nymphes. Sur la boîte, on peut lire déconseillé aux enfants de moins de 14 ans. Pourquoi? Vous allez voir. Hop. Il s'agit clairement de nymphes. C'est des figurines de filles qui sont nues. Est-ce qu'ils sont complètement nus? Oui, exactement. Elles sont complètement nues. Hop, je vous montre la première. La deuxième. Il y a des petits socles avec. Je pense qu'il y en a une qui est accroupie. Et je pense que l'autre, on peut... Ça doit être l'idée, ça doit être pouvoir la mettre sur le rocher. Voilà, on constate. Sur la qualité des figurines... Les figurines sont bien imprimées. Moi, bon, c'est des nymphes, ils ont un petit peu des gros nez à mon goût. Mais bon, après, si vous avez envie de vous entraîner à faire un petit peu de chair, vous pouvez vous entraîner sur celle-là. Avec, il y a deux petits socles. Moi, sur l'idée, c'est je prendrais des socles ronds pour mettre ça dans les jeux d'Heroic Fantasy. Ça peut le faire dans Donjons et Dragons, si vous avez une aventure, pourquoi pas inclure ces figurines. On va passer aux suivantes. Le nom de la figurine, c'est le remouleur. Alors, qu'est-ce qu'un remouleur? Je ne saurais pas. En la traduction anglaise, ça serait le knife grinder. Alors, knife pour couteau et grinder, je dirais, je sais pas moi, tailleur de lame. Ah, c'est pas mal. Je pense que, voilà. On voit la figurine avec ses deux bras. Tout est bien disposé pour la coller, comme ça c'est plus facile pour peindre quand c'est à part. On voit deux couteaux et on voit une sorte de petite chariole. Ah si, oui, voilà. Je pense que c'est un tailleur de lame, tailleur de couteau, tailleur d'épée. On voit sa meuleuse et avec ça doit être un petit seau. Hop, je vous la montre de dos. On le voit avec un chapeau en forme de seau. C'est pas mal. On passe à la suivante. Cette fois, c'est le lican. Pour ceux qui sont fans de loup-garou et qui ont vu le film Underworld. Dans Underworld, c'est les vampires contre les licans. Les licans, bah, c'est des loups-garous, tout simplement, qui se transforment à la pleine lune. C'est même pas à la pleine lune. Toutes les nuits, à volonté, peuvent se transformer en loup-garou. Voilà, je vous montre la figurine. Ça a un côté un petit peu burlesque, je trouve, sur ce type de figurine. Mais pour Donjons et Dragons, c'est pas mal. On passe à la suivante, c'est les paysans. On a toujours besoin de PNJ dans les jeux de rôle, ou même dans les jeux de figurines. C'est surtout pour les jeux de rôle, parce que bon, les jeux de figurines, on a déjà les figurines. Bah, là, c'est deux paysans en mode moyenâgeux. Là, je dis deux. Je vous montre le troisième. Je vais regarder en même temps avec leurs outils. Sur la qualité des socles, j'ai des petits socles carrés.
Il y en a trois avec les trois personnages. Sur la taille des figurines, je pense que c'est du 28-32. De toute façon, on voit que sur les paysans, ils sont un petit peu. Ils se tiennent vraiment pas très bien droit. Ils se tiennent pas très droit. Ils ont un peu des têtes de sorcière. Je vous montre si on peut voir un peu mieux. Et sur le dernier. On passe aux prochaines figurines. Le nom de la boîte, c'est marqué Le Bain. Évidemment, Le Bain, qu'est-ce que c'est? Je pense que on va retrouver des nanas toutes nues, une nouvelle fois. Je sais pas, c'est pour Fenrir, il a dû se taper un délire en se disant que j'aimais peindre des figurines toutes nues, ou je sais pas, où j'avais du mal pour les peindre. Mais bon, voilà, on va dire que c'est des figurines nues. On voit une jeune femme en train de se verser une sorte de coupe d'eau sur la tête. Je pense que là à côté il y a sa baignoire avec un petit miroir. Une autre jeune femme avec sa serviette en train de s'essuyer. Et je pense que ça doit être un nain. Je sais pas, il y a une encoche, donc c'est assez bizarre. Je vois pas trop, mais bon, bref. En tout cas, c'est lui qui amène un petit peu l'eau. Et également, on le voit en mode interloqué, je pense, peut-être en train d'espionner pour regarder ses femmes à poil. Et on passe aux dernières figurines que j'ai reçues. C'est un petit combo de citrouilles. J'en avais déjà eu entre les mains. Je les avais fait peindre à mon petit garçon de 4 ans et demi. Je pense qu'on va les refaire tous les deux ensemble. On va les repeindre tous les deux. Une citrouille en mode schtroumpf. Une en mode Père Noël avec un chapeau du Père Noël. Une autre en mode. Allez, on va dire en mode qui a la varicelle. Et un dernier en mode terrifiant. Bon, c'est sûr, pour ces quatre figurines, un truc est certain, c'est que je vais les peindre avec mon petit garçon de 4 ans et demi et je vous ferai un retour sur ces peintures. Vous verrez, il a du niveau déjà pour son âge. Voilà, maintenant on passe aux figurines de Hungry Troll. T'as vu, je vous montre la petite affiche. T'as Oh, vu? wow. Lui, c'est qui? Bah lui, c'est un troll. On montre aux gens. En fait, c'est un petit Mais prospectus. c'est un Attache. méchant troll. Oui, je passe aux gens, ou ça peut être un orque aussi. Je montre aux gens, voilà, on peut retrouver les figurines qui sont présentées. Sur les figurines, vous pouvez constater que c'est des Oh, c'est figurines pour. quoi? C'est des filles qui jouent à Blood Bowl en fait. Si on regarde, il y a plusieurs filles et on peut jouer à un jeu où c'est comme du football américain sauf qu'il y a de la bagarre. En fait, c'est comme le rugby, sauf qu'on peut lancer la balle en avant. Et là, vous pouvez voir au dos les équipes. C'est une fille qui est déguisée en lapin. À l'intérieur des figurines, après, vous verrez pendant les gros plans en 3D qu'il y a des personnages qui ont des masques de lapin plutôt que des casques de footballeur. Là, également, on peut voir des figurines qui sont dans des boîtes individuelles. Donc, Lui, c'est qui? lui, c'est le. Ça serait un petit peu la mascotte ou un petit peu le Non, logo de la c'est une troll société. sorcière. Ouais, c'est ça, mais c'est pour montrer. En fait, c'est la marque du Les monsieur. trolls sorcières, ça fait très très peur et ça transforme les papas ou les mamans ou les petits-enfants en crapauds. Oui, attends, laisse-moi finir, je présente aux gens. Et aussi chez Hungry Troll, vous pouvez constater qu'on peut acheter soit un starter pack, avec 16 personnages et 2 ballons, comme dans les jeux Blood Bowl. En termes de prix, c'est beaucoup plus intéressant que chez Games Workshop. J'ai rien contre Games Workshop, mais bon, ils font des belles figurines. Mais là, c'est des figurines en métal. On a la possibilité d'en avoir aussi en résine. Et on peut acheter aussi des figurines en mode individuel. Je crois qu'ils sont entre 7 et 8 euros. C'est une société qui se situe en Espagne. Là, j'en ai reçu 4. Je remercie Hungry Troll pour m'avoir envoyé ces figurines. Et je vais tester, donc je vais adapter les règles pour jouer avec mon petit bonhomme à ce jeu-là. Moi, je pense que je prendrai les Nuke Girls et lui, il prendra l'équipe des Halflings ou l'équipe des petits gobelins. On va voir. Non, des petits gobelins, je veux. D'accord. Allez, Non, maintenant. les citrouilles, je veux. Non, les citrouilles, on les peindra ensemble. Maintenant, on passe au gros plan. On commence par la première figurine. Pareil, une figurine en métal. Sur la qualité des figurines, franchement, c'est pas que c'est pas en mode sponsor ou quoi, mais je trouve que la qualité est vraiment top. Voilà, une grande figurine. Les noms des postes, je pourrais pas vous les dire, je débute sur le jeu. En tout cas, avec une coupe en mode iroquois et les deux bras qui sont séparés, donc beaucoup plus facile pour peindre.
Je pense que c'est une receveuse ou une linebacker pour une fille qui court en fait pour attraper la balle. La suivante, je vous la montre. En tout cas, sur la protection des figurines, avec des petites boîtes en plastique, il n'y a rien à dire. Sur celle-là, on peut constater qu'elle a une sorte de petite arbalète dans les bras. Et également, moi je dirais que ça ressemble un petit peu à Mad Max quand on voit le film avec Tina Turner. Donc vous pouvez la peindre en mode Tina Turner, quoi, avec une petite paire de talons. On passe à la suivante. Je pense également à une receveuse en mode sexy. Avec un petit, on peut constater qu'elle a un petit décolleté avec. Ça, c'est sûr que je vais les peindre. Et je pense que j'essaierai d'initier Madame à bout de boule pour faire une petite partie avec moi et ça sera son équipe, pourquoi pas. Merci. On passe à la dernière qui est en boîte individuelle. Une de. Bon, j'avais déjà regardé un petit peu, c'est une de mes préférées. Franchement, je trouve l'idée vraiment sympa. Une figurine en mode siamoise. Avec deux, avec deux jambes et deux bustes. Forcément, deux visages. Et là, moi, je constate qu'elle a quatre bras. Donc, deux fois plus de force. Clairement, je pense que ça sera la première figurine que je vais commencer à peindre. Maintenant, on enchaîne avec le starter pack de l'équipe. Si on voit sur le côté de la boîte qu'il y a la possibilité de les commander en mode résine et en mode métal. Moi, je préfère, quitte à peindre, je préfère peindre des figurines en mode métal. C'est pas, on n'a pas forcément l'habitude. Je vous fais voir au dos ce qui représente bah, toute l'équipe. On voit toutes les joueuses de l'équipe. Et on revient devant avec les mêmes joueuses et ça donne des petites idées pour voir la couleur. L'équipe, les Nuke Girls Z. La boîte, je ne l'ai pas ouverte, donc je ne sais pas du tout comment c'est fait à l'intérieur. Bah voilà, clairement, un grand sachet. Avec pas mal de figurines. Dedans, il y en a, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 16 figurines avec 3 ballons. Comme vous constatez, toutes les figurines sont fournies avec des socles. Je vais tous vous les montrer. Une joueuse avec un ballon. Une joueuse de défense relativement costaud. Je vais les ranger au fur et à mesure dans la boîte. On passe à une nouvelle joueuse en mode crâne rasé, également avec un ballon. Une défenseuse. Hop, je vous la montre de dos. En mode énervé. Une autre encore en mode costaud, avec une sorte de disqueuse à la main. Hop, je vous montre au dos. Celle-là en mode punk, qui tient avec fièrement le bras en l'air. Moi, sur les idées de peinture, je ne vais pas vous donner de conseils de peinture, mais je pense que je ferai en mode cheveux rose, vert fluo, rouge. Pas mal de couleurs un petit peu qui font ressortir l'équipe de figurines. Une nouvelle avec les deux bras, avec une sorte de masque de lapin. Au lieu de mettre un casque de football américain, c'est plutôt avec l'idée du masque de lapin. Et également, on voit qu'elle a un petit short. On passe aux deux petits ballons. Avec l'emblème de l'équipe, le ballon et la canette de Coca Nucola. Nucola, si vous connaissez, on peut retrouver cette marque de Coca dans le jeu Fallout. Je les repose, un petit ballon tout seul sur une petite canette. C'est assez difficile à voir, je vous la mets là. De toute façon, je vais vous les représenter peintes. Ça prend un peu plus de temps de présenter autant de figurines. J'espère que je ne vous saoule pas à vous montrer toute l'équipe.
Mais bon, le but, c'est quand même de vous présenter les figurines si vous avez envie de les commander. Comme ça, comme on n'a pas forcément la voir, on ne peut pas les voir dans nos boutiques. Celles-là, on peut les retrouver que chez Hungry Troll. Au moins, vous avez la possibilité de les voir. Une nouvelle receveuse avec un masque de lapin. Maintenant, on passe aux dernières. Une nouvelle joueuse qui tient un casque. Une autre en mode sexy avec un short salopette. Encore une qui tient un ballon. Sur la qualité, il n'y a rien à dire. Sur le type de figurine, c'est pas mal. Ça change de jouer comme ça une équipe de filles. Et il n'y en a pas dans, il n'y en a tellement pas dans les jeux en général. Bon, c'est vrai que ça fait un peu bimbo, mais bon, après, pourquoi pas, hein, de toute façon. Une nouvelle qui tient un ballon et qui a un. Attendez, je regarde bien. Ouais, qui a un masque à gaz sur le visage. Et la dernière, une qui est prête à en découdre avec des épaulettes, avec des pics dessus. Voilà, maintenant on passe au livre pendant que Malo est parti chercher son petit goûter pour manger un petit peu sur deux livres. Un livre que j'ai pas encore lu mais qui est une uchronie, qui a l'air bien sympathique et c'est sûrement le livre que je vais lire cette semaine, qui s'appelle Au nom des dieux, écrit par Gauthier Durieux de Madron. Le livre, c'est apparemment c'est une suite de livres de l'eau et du sang. Je vais vous lire la préface. Comment réagiriez-vous en découvrant au crépuscule de l'humanité que toutes les légendes antiques étaient vraies? 2015. La révolution éclate au Brésil pour renverser un gouvernement corrompu depuis des années, pardon. Un nouveau consul arrive à sa tête et se lance dans une croisade pour éradiquer la corruption des politiciens et envahit peut-être petit à petit les pays voisins. Pendant 5 ans, personne ne saura ni pourra empêcher cette invasion. 2020. Tout autour du globe, différentes personnes, sans aucun lien entre elles, se mettent à vivre des événements étranges, voire surnaturels. Décidant de se réunir pour mettre en commun leurs connaissances et les fruits de leur existence, d'un monde dissimulé au nôtre, où les mythes et les légendes sont bien réels. Mais à peine ont-ils le temps de se rendre compte que les sirènes d'alarme retentissent. Le Brésil rentre aux États-Unis. Moi, sur la préface, je ne l'ai pas encore lu, mais juste la préface, ça me donne envie de le lire et encore plus de vous donner mon avis. Il me faudra à peu près une semaine pour le lire, donc d'ici dimanche, je vous ferai un retour là-dessus. Sur le deuxième, c'est un livre que j'ai déjà lu. Les Croisées du Cosmos de Poul Anderson. Je vous lis la préface et je vous donne mon avis. Messire de Tournanville s'apprête-toi à rejoindre le bon roi Édouard, guerroyant en France. Quant à la stupeur générale, un fantastique engin volant atterrit près de son château, libérant toute une flotte de drôles de petits hommes bleus aux longues oreilles, sans doute des sarrasins que ces maudits Français auront ralliés à leur cause. Songe le bon Roger qui les fait illico trucider. Grâce au merveilleux char volant pris à l'ennemi, il ira libérer la Terre Sainte. Mais trahison, au lieu de mettre obligeamment le cap sur Jérusalem, un otage détourne à travers les espaces intersidéraux nos proches chevaliers bardés de fer qui, s'ils ne comprennent pas grand-chose au film, n'en démontreront pas moins à toute la galaxie ce qu'un loyal sujet de la couronne d'Angleterre peut faire avec une simple arbalète. Un peu de ruse et beaucoup de vaillance. Sur ce livre, je l'ai lu déjà plusieurs fois. Je sais qu'un film, il y a eu un film qui a été réalisé dessus, mais ça sera difficile de le trouver parce que clairement le film est un navet. Alors qui sait, peut-être dans un futur proche, on pourra le retrouver avec une belle production. Grosso modo, comme sur la préface, qu'est-ce que c'est? Vous imaginez, les Anglais se préparent à aller en croisade à Jérusalem pour buter le sarrasin. Et pendant leur préparation, des petits aliens arrivent et commencent à les attaquer. On a vu pas mal de livres où les aliens arrivent, on est en 2015, 2020, c'est la guerre des mondes avec Tom Cruise, voilà, on a des armes à feu. Et là, en fait, on se retrouve dans un livre où bah voilà, c'est des chevaliers qui se retrouvent face à face avec des extraterrestres. Et qui des extraterrestres sont d'une technologie tellement évoluée que bah, qu'au final, des épées, des lances et des chevaux, bah, ça donne une autre situation. Je vous invite vraiment à le lire une fin, du début jusqu'à la fin, et surtout la fin. C'est un livre qui se lit en 2-3 jours, tellement il est agréable à lire. Poul Anderson, vous pouvez le retrouver sur Internet, à la Fnac, à Cultura, un peu partout. J'oubliais sur le livre Au nom des dieux, je vous mets dans la description le lien pour pouvoir commander son livre. Actuellement dessus, il n'y a pas de Kickstarter. Hein, il a été créé, je crois que les suivants ont été écrits également, vous pourrez constater. Ce livre-là, vous pouvez l'acheter pour 25 euros. C'est un livre qui représente. Un peu plus de 500 pages, exactement 570 pages. Je vous mets le lien dans la description pour pouvoir l'acheter.
Voilà, Malo a pris son petit goûter. Maintenant, il est revenu avec moi pour présenter les figurines que j'ai peintes cette semaine. Je vais vous présenter les figurines de la Louve 3D. Je vous remettrai le lien pour le Kickstarter qui est actuellement toujours en cours. Voilà, c'est des interprétations que moi j'en ai eues pour les peindre. Les figurines de Zombicide Black Plague avec deux héros Mais et un c'est gros qui méchant. le méchant? Le méchant, c'est lui. Regarde, on voit. Oh, il casse tout, zombie! Tout maillot, Oui, voilà. c'est un zombie. C'est un gros zombie costaud, je pense. Et les figurines du jeu Conan. Le Oh, chef des les zombies! méchants et une princesse, je pense, qui a délivré. Maintenant, on va passer au zoom. Recule-toi un petit peu pour que les gens y puissent voir. Le zombie, il va attaquer la princesse. Oui, on peut faire ça. Ça peut être une idée. Il peut la capturer et puis nous, on peut essayer de la délivrer ensemble. On fera une petite partie et on verra. Après, Zombicide, c'est un jeu pour les adultes. Mais je pense qu'avec quelques figurines et un petit scénario que vous préparez vous-même, je pense que ça peut être adapté à tous les âges. Il suffit de scénariser et d'enlever les trucs un petit peu violents pour jouer avec votre enfant. Maintenant, on passe aux figurines de Zombicide. On commence par. C'est Zombicide Black Plague. Prague. J'arrive jamais à le prononcer. Bon, peu importe, c'est Zombicide en mode Moyen-Âge. Moi, j'arrive à le prononcer. Merci, mon petit bonhomme. Là, vous constatez qu'on commence par un des gros boss du jeu, avec les mains Le jeu, ensanglantées. c'est quoi? C'est Zombicide. Attends, je présente aux gens le jeu. Là, vous passez à une héroïne du jeu qui est, on va dire, une sœur avec une épée et une sorte de dague à la main. Je la Il va présente. attaquer le zombie. Ouais, c'est ça. Là, on la voit avec une couleur, avec les couleurs monastériales, on va dire, en noir et en blanc. Et on finit par le nain avec son gros marteau. On peut voir qu'à sa petite ceinture, il y a un petit nain. Le nain, c'est le monsieur qui est là, avec les cheveux blancs. Et je vous mets vite fait de dos pour qu'on voit comment c'est fait. Également, pour le gros zombie, on voit son dos. Et je vous rajoute le dos de la moine guerrière. On passe aux figurines de Conan. Là, on voit la princesse guerrière, je pense. Et une héroïne qu'on peut jouer dans le jeu. J'ai encore jamais testé le jeu, mais je pense que je vais faire une partie avec mon petit bonhomme. On verra pour tester ça. Et également, un des chefs de la garde des méchants. J'ai pris des couleurs assez flashantes. Non, tu joueras un gentil comme moi. Là, on voit que j'ai pris des couleurs qui sont assez flashy pour qu'ils ressortent bien. D'accord, tu seras le chevalier, mon bonhomme. Maintenant, on passe au lion avec des ailes et des cornes de chez Louve 3D. Je vous remettrai le lien dans la description. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Une figurine vraiment sympa à peindre. Je n'ai pas l'habitude forcément de peindre des monstres. Et si vous avez envie de jouer à Donjon Dragon, et souvent on n'a pas assez de bestiaire pour les monstres, ben voilà. Là sur les yeux, si vous regardez bien, j'ai fait des petits rubis dessus. Et sur les couleurs, j'ai essayé de faire un petit côté enflammé. Avec en socle en mode sable, un petit peu un mode sphinx pour la représentation de cette figurine. Maintenant, on passe à la dernière figurine, une panthère avec deux sortes de tentacules, je pense en mode spore pour envoyer des poisons. Pas sport, le sport, hein, des sports SPORES. Une panthère, voilà, ça fait également un monstre. Après, dans les scénarios, je pense que dans les scénarios de Donjons Dragons, ce type de monstre, vous pouvez les retrouver dans le bestiaire de toute façon. Moi, les couleurs que j'ai utilisées, je suis parti sur un noir et j'ai ensuite fait des éclaircies avec du violet. Et pour les tentacules, pour envoyer on va dire une sorte de poison, j'ai pris une couleur rose. On arrive à la fin de la vidéo. Je suis content d'avoir invité aujourd'hui Malo pour présenter ses figurines. Je reviens sur ce que je vous ai présenté. Des figurines d'Heroic Fantasy de chez Fenril. Je vous mets le lien dans la description. Les figurines pour jouer à Blood Bowl ou même à Necromunda, que vous pouvez retrouver chez Hungry Troll. Je vous mets le lien dans la description également de la vidéo. C'est une boutique en ligne. Le livre Au nom des dieux de Gauthier Durieux de Madron. Je vous mets le lien pour pouvoir acheter le bouquin. C'est le numéro 1. Il me semble qu'il va y en avoir 3, même peut-être même 4 ou 5. Le livre Les Croisées du Cosmos de Poul Anderson. Tiens-toi bien, mon bonhomme, on a bientôt fini. Les figurines du jeu Zombicide Black Plague. Malo, attends, je finis, mon petit bonhomme. Les figurines du jeu Conan.
Des figurines de la loupe 3D, je vous mets le lien du Kickstarter et de la page Facebook pour acheter les fichiers STL. Je sais que le Kickstarter fonctionne bien, mais il reste très peu de jours, il me semble. Mais bon, ça sera vérifié. Donc, comme vous avez pu voir, je porte également aujourd'hui un t-shirt de chez Pampling. Je vous mets le lien dans la description pour avoir 20% sur le site à vie. Aujourd'hui, je porte un t-shirt de Dragon Ball en mode Sangoku et Krillin en train de faire un petit tag. Je sais que Malo aime bien ses maillots, Malo aime bien ce style de maillot et je sais que vous pouvez en trouver pour tout âge. Également des chaussettes et des chaussures. Après, moi je vous invite à commander, c'est vraiment sympa et ça le fait en fait. Voilà, maintenant je vous invite à. Je vous invite. N'hésitez pas à liker la vidéo, déposer un petit commentaire et également à J'ai des vous. À mettre, chaussettes Ninjago. ouais, à déposer la petite cloche et on vous dit à très vite sur quoi? Chien et fille de ravioli. Ciao!